Donc, je m'appelle Alexis Picot, je suis le gérant de la société Praxi. Praxi est une société dont l'activité est basée autour du 3D Disto. On a une activité revente de l'appareil et d'un autre côté une activité également relevée d'intérieur pour les architectes. Alors aujourd'hui, j'ai apporté une solution à un de mes clients qui est spécialisé dans la pose d'isolation acoustique. Donc ils ont un bâtiment qui fait 13 000 m² où ils doivent implanter à des endroits très précis des points qui vont correspondre à des points d'ancrage pour fixer des îlots acoustiques. Et grâce au 3D Disto que je leur ai présenté, ils ont un gain de temps énorme. Alors avant l'arrivée du 3D Disto, sur les chantiers, les gens passaient énormément de temps à faire des relevés. Et souvent c'était imprécis. Je devais revenir sur les chantiers, donc c'était toujours une partie très, très stressante de faire des relevés et même pénible. Alors que maintenant, c'est vrai que ça se fait plus facilement, les relevés sont plus précis, on a directement tous les points qu'on veut prendre, on a une sérénité dans le travail qu'il n'y avait pas avant. Alors le processus pour le 3D Disto sur cette application est assez simple. On définit sur AutoCAD le plan avec les points d'ancrage. Ce plan est transféré sur la tablette du 3D Disto. Ensuite, sur place, on a simplement à définir la hauteur du plafond en pointant avec le laser les points correspondants au plafond, c'est-à-dire deux points. Et on va pouvoir projeter les points au plafond exactement à l'emplacement qui correspond au fichier qui a été fait sur AutoCAD. On va tout simplement viser sur la tablette avec le petit stylet, on va pointer le point qu'on veut percer et il va s'afficher automatiquement au plafond. Avant d'utiliser 3D Disto, ils arrivaient à poser une quarantaine d'îlots par jour. Aujourd'hui, grâce au 3D Disto, ils arrivent à 400 par jour. Donc on a un gain de temps qui est énorme. Et en plus, ils ont gagné aussi en confort de travail puisqu'ils n'ont plus à tracer au plafond avant de percer. L'appareil va directement montrer le point à percer et la personne derrière aura un processus de perçage beaucoup plus rapide.